Ange Capozzo, un petit parmi les grands? L'arrivée d'Ange Capozzo a électrisé les fans du Stade Toulousain. Il allait devoir se faire une place dans l'effectif toulousain. Et la présence d'arrière d'exception comme Mathis Lebel, Thomas Ramos et Arthur Retière ne facilite clairement pas la tâche du jeune italien. Mais vraiment, pas de quoi faire peur à Capozzo. Bien décidé à trouver sa place dans un effectif déjà bien rodé. Le staff toulousain a vu juste. Arrivé tout droit de Grenoble, Ange Capozzo se fait remarquer en club aussi bien qu'en équipe nationale. On se souvient tous de l'essai de l'arrière italien contre le Pays de Galles lors de la dernière journée des Six Nations 2022 où il avait permis à la Squadra Azzurra de l'emporter à la dernière minute à Cardiff. Et ainsi éviter une énième cuillère de bois. Grâce à ses performances en 2021 et à seulement 22 ans, il est récompensé du trophée de la révélation de l'année par World Rugby. Rien que ça. Il sait s'adapter et ses concurrents ne l'effraient pas du tout. Il peut aussi bien jouer en position d'arrière qu'en position d'ailier. Un choix stratégique parfait pour son entraîneur en club, Hugo Mola. Tu l'auras compris, Ange Capozzo est un véritable couteau suisse. Ce qui permet au Stade Toulousain d'exploiter aussi bien ses relances que son bon jeu au pied. Et comme tu t'en doutes, il a rapidement conquis le cœur des supporters toulousains. Et tout ça permet à Ange Capozzo de rapidement décrocher sa place de titulaire. Son gabarit de 1m78 pour 78 kg fait beaucoup parler. De nombreux fans craignent qu'il ne soit pas assez solide pour le rugby de haut niveau. Et à vrai dire, ils n'ont pas tort. Puisque l'intensité des matchs a raison de lui et se blesse à de nombreuses reprises aux omoplates. La dernière en date, lors du match contre Lyon, l'empêche de jouer jusqu'à la fin de la saison. Mais au-delà de ça, depuis son arrivée au Stade Toulousain, Ange Capozzo a explosé sur la scène du rugby. Le jeune ailier et arrière italien est devenu un joueur incontournable de l'équipe grâce à ses performances exceptionnelles et sa capacité à marquer des points décisifs. Aujourd'hui titulaire indiscutable avec son équipe nationale, Ange Capozzo fait désormais partie du plan d'évolution de Toulouse. Crois-moi, même si les blessures compliquent son parcours, il faut surveiller de très très près ce jeune prodige. En effet, il est devenu le symbole du renouveau de l'équipe d'Italie. Et toi, penses-tu que Ange Capozzo va performer à la Coupe du Monde 2023? Et surtout, n'oublie pas de t'abonner sur tous nos réseaux sociaux à Cop Rugby.